Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous saluons encore et nous saluons tous les auditeurs qui écoutent nous. Dans toute notre côté, dans tout notre pays. Les matins, c'est le premier dimanche du mois. Côté que nous avons un enseignement qui a commencé depuis l'année dernière, ça fait un an. Et que maintenant, on a continué sous une autre forme. Et je crois que chaque, ça on va attendre, ça on va apprendre, il va augmenter connaissance et la foi va augmenter. Connaissance sous ta besoin de servir, mon Dieu va augmenter. Parce que ça dit, peuple a mouru faute de connaissance. Et connaissance, ça n'est pas autre que connaissance de la parole de Dieu. Malgré doctorat, malgré maîtrise, malgré licence, ou qu'a toujours mouru faute de connaissance. Parce que ça, on va pas être connaissance que la Bible a parlé. Ça, c'est connaissance ou bien pour juger la terre. Pour passer sous la tête, pour faire sortir. Mais connaissance que la Bible a parlé, c'est connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si vous pas chuté dans l'enseignement, vous avez fini mal. Nous avons tel que nous avons traité depuis, ça fait un an de cela, comment bâtir une alliance financière avec Dieu. Et maintenant, on va enchaîner avec, pas un autre thème, mais un sous-thème, un thème, c'est le mystère des autels. Maintenant, on va parler sur les autels. Que ce sont des termes que tu as parlé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et que l'Église, presque pas, m'a intérêt ça. Presque, il n'y a pas les sujets, mais en gros, il y a un gros point de vue qui un autel. Comment bâtir un autel. Et pour qui ça a obligé de bâtir un autel. Mais maintenant, nous allons rentrer dans le nouveau enseignement, ça c'est le mystère d'un hôtel. Qui ça veut dire y a un hôtel lié? Et qui est-ce qui te compte bâtir hôtel? La Bible racontée dans Genèse 12, verset 7 à 8, dans Genèse 8, verset 20, Genèse 26, verset 25, c'est d'abord on sait des textes bibliques que nous voyons que la Bible parle du hôtel. Il y a aussi hôtel vient du latin altus, qui signifie élevé. Parce que pour un hôtel, même n'en pensez pas au qu'on va être haut, va qui monter, qui est très haut. C'est-à-dire aussi, il y a un hôtel, c'est un lieu. Et dans l'Ancien Testament, monsieur ancien, il était contre utilisé pour y avoir un congé à la table. Il était contre bâtir des hôtels. Mais les gens nous bâtissent des temples, je dis. C'est ton lieu côté que ils ont fait sacrifice. C'est ton lieu côté que ils ont présenté tout ça au dernier bail pour Dieu. Si nous on connaît dans Genèse chapitre 12, dans quoi nous parler de l'autel. Genèse chapitre 12, nous parler d'Abraham qui bâtit l'autel. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. C'est-à-dire, ça n'a pas les liens, c'est pas un terme qui est nouveau. Ça qui arrive au côté contenté, le même pas nouveau. Il a parlé de lui en pile. Il dit, Abraham bâtit un hôtel, c'est-à-dire un lieu. Côté que ce n'est pas dans tout lieu où tu as présenté l'adoration. Ce n'est pas parce qu'Abraham n'a pas de maison pour te habiter. Ce n'est pas parce qu'Abraham n'a pas de côté dans la chambre ou du moins dans le temps pour te habiter pour te adorer. Mais il connaît que il n'y a pas de café comme ça. Il est obligé de chercher un lieu pour te faire un espace pour le Seigneur, pour te adorer. En ce sens, il y a aussi, hôtel, ça, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais il y a des bâtiments. Même dans le Nouveau Testament, il y a parlé de l'hôtel. Mais il n'y a pas parlé de l'hôtel sous la même forme que Jean-Michel, il y a des bâtiments. C'est-à-dire, hôtel, qui est fait dans l'Ancien Testament, ce sont des lieux pour lesquels il y a des présentés,
tête, vous me présentez des offrandes, des holocaustes à Dieu. Maintenant, lâche là, alors dans tant d'assignation, des hôtels qui ont été bâtis. Et dans le Nouveau Testament, si nous avançons, nous suivons que Paul parlait des hôtels dans Romains 11, le verset 3, si nous avons fait avancé dans Romains chapitre 11, le verset 3. On peut écouter Paul parler des hôtels qui ont été bâtis aussi. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et autel que vous parlez dans le Nouveau Testament est différent de l'autel que vous avez présenté dans l'Ancien Testament. Autel que nous-mêmes nous voulons parler, je vous dis à vous, c'est ça nous fait de nos jours. Jésus-Christ mourit, dit. Autel n'est pas bâti même gens que nous avons fait avant. Je dis, le fait d'accepter Jésus-Christ comme sauveur maintenant, là, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui sommes l'Église, je dis, autel ça que nous-mêmes nous bâti à travers le Nouveau Testament, ce sont des autels que c'est dans le temple, là, exemple, et dans. Dans le sanctuaire, si vous avez dit, vous m'avez côté de réunir, c'est là que nous présenter, ça nous présenter au Évangile. Longtemps, c'est en question de présenter des holocaustes, des petits moutons, mais je ne dis pas faire comme ça encore parce que Jésus-Christ qui est remplacé et moutons, ça y est. On voit pour tous, Jésus-Christ est pour lui. Il ne va pas présenter ça y est encore, même si nous avons dit, les messieurs ont présenté des petits moutons. Je dis longtemps, les autres que l'a présenté, si mon temps, je suis obligé de parler avec un père tout réel, un père pigeon, du moins, ils ont fait plusieurs des sacrifices. Je dis à leur papa, les types de laïcs encore, ils ont fait ça avec des consécrations. C'est-à-dire, même ça qui peut être dans l'Ancien Testament, ils ont refait dans le Nouveau Testament sur l'autre forme. Parce que dans la Bible, Dieu n'a pas changé. Mais choses, ça a été fait. À la manière de Jésus-Christ, il va changer. Je veux dire, longtemps nous connaissons peu de monde qui est entré dans le temple. Maintenant, nous tous, mais je veux dire là, c'est une question tout le monde a accès. Nous tous, je veux dire là, on va pas faire tout de suite là. Il n'a pas vie à la bougérité. Et puis, tu as un sacrificateur qui est pour nous présenter péché, nous lui présenter au logos, nous lui présenter au frère de l'évangile. Mais je veux dire là, nous jouons une chance. Moi-même, avoir par la mort de Jésus-Christ, sans s'intéresser à la croix, nous veux chance. Mais c'est de même tout, je veux dire là, nous ne pouvons pas être chaque qui là pour aller dans un petit lieu, pour aller présenter des sacrifices, pour aller bâtir des hôtels à Dieu. Hôtel là, il est bâti ici, là, même côté de lui. Le fait de l'accepter Jésus-Christ comme sauveur maintenant, ça a déjà montré que. Il y a un type d'hôtel qui bâtit dans la ville. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de faire, même quand nous faisons. Le hôtel là aussi, c'est un lieu de souvenir. L'hôtel, un hôtel à Dieu, son lieu pour que Dieu a toujours songé. C'est ça que nous avons fait, nous avons été fait. Chaque fois que vous présentez devant Dieu, des choses, des holocaustes, choses à vous parler en faveur. Il n'y a pas de prophétie à Dieu, il n'y a pas besoin de répéter encore. Juste de faire, chose à parler pour nous. Mais aussi dans le Nouveau Testament, autel ça va continuer à parler pour nous toujours. Il y a des choses, il y a des actes opposés dans le ministère là, c'est comme si c'est un autel pour bâtir devant Dieu. C'est-à-dire, sans faire, il est toujours prêt pour parler pour nous. Le type autel aussi, sont liés des révélations. C'est-à-dire que des hôtels nous bâtissent où Dieu a toujours songé, Dieu a toujours pensé ensemble avec nous. Parfois, il y a un moment difficile qui va passer. Au hôtel nous bâtissons, non mois avant, tout moins 2 mois, 3 mois d'avance,
Hôtel ça, il y a parlé pour en fonction de ce qui ça a été bâti. Parce que tout le monde a bâti hôtel, il a bâti avec un objectif, il a bâti avec une idée côté que il y a tant quelque chose en haut. Pas oublier l'interpellation de comment bâti l'alliance financière avec Dieu, c'est sous même lancer ça, nous venons avec hôtel ça. Hôtel là, c'est un port d'accès du divin sur le surnaturel, sur le naturel. Le port d'accès du divin sur le naturel. C'est-à-dire, c'est quelque chose où présenter avec Dieu en honneur de quelque chose qu'on obtient en retour. C'est pour ça, monsieur, que vous bâti hôtel de longtemps. Si on vient présenter quelque chose à Dieu, ou même tant après quelques temps, il y a quelques bagailles à joindre en retour. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des actes qui ont posé, actes à eux, le prêt pour parler pour nous. Si nous allons dans Actes chapitre 10, nous parlons de nom de Corneille. Corneille, en termes de Gadis, Corneille était un païen. Mais Corneille était d'accord pour te prier chaque jour. Non seulement prier, et Corneille était pour présenter tout ça à la guerre. Il était pour faire des aumônes. Qu'on était habitué à bâtir des hôtels, qu'on était contre faire des grandes choses. Et les dieux, les Jésus-Christ voient pièce dans le Corneille, texte a dit, dans chapitre 10, le verset 30, Corneille dit, il y a 4 jours, à 7 heures ici, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. C'est-à-dire, c'est pas seulement prière qu'on a été livré devant mon Dieu, mais ça a été présenté. Autant qu'il était pour bâtir, ils ont arrivé devant mon Dieu aussi. C'est ça que le texte a mentionné. Ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. C'est-à-dire, ça côté, croyait que vous présentez avec Dieu, aumônes, autant que vous bâtissez devant Dieu, vous parlez pour lui aussi. Ce n'est pas seulement une prière. Mais montrez-nous, pour nous-mêmes qui l'avons, comment nous sommes capables de bâtir, vous hôtel avec Dieu. Mais l'année 2020 qui fait commencer, vous allez fraîche. Une nouvelle année, peut-être que vous pouvez passer 12 mois de l'année. Tout ça que vous pouvez joindre, tout ça qui vous pouvez rentrer dans la main, pendant l'année, c'est fruit ça vous planté pendant l'année à commencer. Si on veut le récolter, vous devez semer d'abord, vous devez planter d'abord. Même si vous prenez pour la terre, si vous voulez. Le côté Marie dans 3 mois encore, Dieu dans 3 mois encore, Bonne dans 9 mois encore, après depuis jeudi, depuis semaine, ça commencement à l'année, ou planter, ou semer. Et quoi que les mois après l'année, l'année va finir, tout le monde va dire oui. Ça nous déplanter, c'est une récolte. La Bible a dit ce que nous avons semé, il le moissonnera. Nous toujours attendons pour que 3 dernières années soient toujours bien passées pour nous, toujours bien finies pour nous. Mais pour le bien fini, ce n'est pas contrôler les dernières années, mais c'est contrôler moi qui t'ai venu avant, le mois janvier, février. Qui sont fait pendant moi ça yo, pour attendre 3 derniers mois? C'est dans un pile moulin qui vient fêter le 31 décembre pour seulement santé Dieu va yo. Pour seulement petit Dieu va quitter malade. Mais sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sentimental, il y a fini tout pour yo. Et si tu as fait interview avec eux, tu as commencé par nous, tu as pris un pile moulin qui t'a crié. Parce que l'année va bien passer pour vous. Parce que sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan sentimental et même psychologique, où est-ce que des bagages mal passés. En plus, le monde a de crier. En plus, le monde a de. Parce que vous passez en année, vous n'avez pas joué en rien. Vous n'avez pas joué en rien. Pour qui ça? Vous êtes toujours, ce n'est pas garder décembre, ce n'est pas garder novembre qui entre, mais c'est garder janvier plutôt. Pas garder ça entre pendant décembre, mais garder ça de semer pendant le mois de janvier. C'est-à-dire, nous-mêmes, par façon, pour faire ce que nous voulons faire pour vous, pour que
Les fins allaient arriver. Ou t'as dû récolter pour aller récolter selon ça que tu as semé. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est un texte. Au pas qu'à sortir de là. Sortez fait pendant le commencement de l'année. C'est l'ombre à le joindre à la fin. Tout ça, on était d'accord pour que on va passer pour faire, c'est nous qui allons récolter. Parce que la terre n'a pas fait cadeau. La vie n'a pas fait cadeau aussi. Ou pas jamais dormi pour lever pour jouer quelque chose vini. Pour quelque chose vini dans le monde. Ou même à songer que mon bagarre était 3 mois d'avance, ça fait manger encore. Mon bagarre était planté, mon bagarre était fait, mon bel, mon monde était sauvé quand même. Mon évangélisation était de tel côté. Si Dieu va penser à vous, bon hôtel qui t'est dressé, bon hôtel qui t'est bâti. C'est-à-dire, pas j'en crier, demander quelque chose ou pas jouer, sans que pas qu'il y ait quelque chose qui t'est fait avant. C'est ça, vous toujours connaissez, la tête pas fait cadeau. Après de faire ça, depuis aussi, la tête pas fait cadeau. Ce que l'on aura semé, il le mentionnera. Ou même, si on a joué ou battu, c'est normal, pour aller à la vie, pour le 10-15 ans, qu'on va en face. Ou même qui t'a fait médisance ou du moins commérage sur le monde, c'est normal pour le 10-15 ans de récompense. Parce que l'homme qu'on veut une maïe, c'est qu'on veut nous recevoir. Ou recevoir les salariés, on sait qui, vous qui sortez en dehors, vous en avez dit rien. C'est on sait qui maïe. Quand on se lève, mais on pied maïe, il y a 3 gros maïes. C'est-à-dire que nous déchiffrer dans le mois de janvier, c'est normal, les novembre arrivé pour une 20-50 gouttes chiffrer aussi. Parce qu'il faut récolter, sortir ce. Soit décevé. Pour ça, tout le monde a partagé 10 boules avec mon monde, c'est normal d'être allé arriver. Tout le monde a eu l'eau, il y a 1000 boules, 2000 boules, parce que c'est soit décevé. Ce que l'on a moissonné, il le moissonnera. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé. Bat pour saisir mon Dieu dans toute l'égalité. Amen. Bat pour prendre mon Dieu, j'en vais à présent au lien. Bat pour saisir, j'en que ouvrir pour le travail dans la vie. C'est ça que chaque mois a fini. Pour me présenter, il y a un moment, soit des jeunes, ou des consécrations à Dieu. C'est-à-dire pour présenter Dieu et prémissio. On s'attend, mais ça n'a pas fait un fort après de bâtir des hôtels. Comment bâtir un hôtel en tant que chrétien? Chaque chrétien qui est là, il y a fait commencer, ou bien tout le monde, ou à l'école, ou bien des choses à faire pendant l'année. Et qu'on est dans le ministère là, le ministère a un programme pendant l'année à tout. Ou pas pour investir aussi. Mais pour investir, il faut qu'il y ait quelque chose, c'est stocker, il faut qu'il y ait quelque chose. Ce n'est pas qu'on soit pas le bail, ils ne sont pas rien. Et Dieu n'a jamais demandé au monde sans investir dans le monde. Amen. C'est-à-dire, si ouais, Dieu m'a demandé, si ouais, Dieu, mais tel bail à faire pour mon Dieu, il faut qu'on investisse, c'est parce qu'on connaît Dieu de faire quelque chose dans la vie d'avance. En ce sens, rien n'a commencé. Ou même qui a compréhension, qui voulait bâtir des hôtels devant Dieu, c'est commencer ouais pour dire, bon, Seigneur, nous avons aimé chaque programme qu'a fait l'Église pour participer, chaque programme qu'a fait dans 3, 4, 5, 6 mois encore pour participer. Mais pour participer, c'est où qu'a bon moi pour bailler. Mais pour moi pour bailler, nous commençons à ça dans même temps du jour. En ce sens, apprendre, bâtir des hôtels. C'est-à-dire, nous chaque ça qu'a fait pour mon Dieu. Ou planter quelque chose. Par exemple, si bon exemple est clair, nous sommes bon, un projet qui est lancé là, maintenant, on va essayer de balancer, et un projet qui est lancé pour nous marcher en groupe électrogène, une co-génératrice. Ou même pour bâtir des hôtels, comment bâtir des hôtels dans le type de travail que ça va faire? Ou préparer une offre, une somme, ou dire bon Seigneur, ma vie bâtir hôtel ça. C'est-à-dire ma. Ben, ma partagé dans ce qu'elle a fait là. Ma collecté dans ce qu'elle a fait là. Je crois que chaque fois qu'elle croyait passer et puis il l'a clairé, que jamais j'en pousse à clairer, c'est pour clairer dans la vie du consacre. Chaque fois qu'elle croyait passer, l'hiver son, des dirigeants, des prédicateurs, des enseignants qui ont enseigné là, enseignement ça et qu'elle a fait là, ou contribuer à l'enseignement ça. Chaque monde bonjour qui est dans le micro qui parle, puisque c'est l'éclairage qui va être pour le micro ça capable de fonctionner, que mon Dieu songe. C'est ça que l'hôtel. C'est-à-dire que vous bâtissez l'hôtel, ne savez pas le fait là, mais quoi que pour chaque sac à fait,
Car on a eu bonheur pour qu'on a toujours songé. On l'a fait mon diapos. C'est ça qu'on t'aime. Vous prenez des pianos que vous allez acheter. Vous dites, Seigneur, ma continuité dans le piano à grandement. Que chaque fois, musicien va toucher en touche. Tout ça va faire plaisir. Et on va songer. On va toujours penser avec moi. C'est qu'on s'en bâtit au hôtel. Et on suit. Dans l'Ancien Testament, monsieur était comme fonctionné comme ça. Et même dans le Nouveau Testament aussi, on prend un pile côté que il a toujours fonctionné sous le même principe. Parce que c'est biblique. Le jour où on est connu, c'est parce qu'on priait, on était songé. Dieu était songé. Mais ça, c'est qu'on fait. Il dit, au moins, nous, on est venu devant. Au tel, on est bâti, on est venu devant. C'est-à-dire, on a dit, quand ça a commencé, ou même qui besoin dans 5-6 mois encore, ou même qui besoin de travail, ou même qui a un Dieu marié, ou qu'à semer pour mariage, ou qu'à semer, on dit, Seigneur, ben, ça va être à participer grandement. C'est même qui a participé grandement. C'est pour y aller le marié, c'est pour 15 ans, ou 5 ans, ou 6 mois, c'est pour investir dans le mariage. On l'a fait quand j'ai avant. Ce que l'on moissonné, il le moissonnera. C'est-à-dire, pas rien est simple. Tout ça va faire pour un but. Même Jésus-Christ est venu sur la terre, mais pour un but indéterminé. C'est un séjour de vie passée sur la terre qui est venu passer. La plage est venue sur la terre. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour un but bien déterminé. C'est-à-dire, pour ça, il y a dit, m'a réglé à faire papa. Mais ça me dit, je vais conduire, je fais. Mais pour ça, sur la tout, vous connaissez chaque fois qu'il a fini. Il y a des choses que vous voulez régler. Mais pour que ça soit réglé, faut que vous fassiez soin de faire. Mais apprendre à faire des hôtels devant Dieu, apprendre à faire des aumônes, faire des aumônes volontaires devant Dieu, et puis en l'honneur de son besoin, hein, en l'honneur de son travail et Dieu, faire pour 4, 5, 6 mois, ou même qu'il y ait un bout d'études, ou qu'il y ait un bout d'études, ou investir dans les affaires de Dieu, Seigneur, ça m'a payé l'honneur, ou à récompenser mieux nos bout d'études. Seigneur, ça m'a payé là. Vous connaissez 30 décembre à venir, 20 décembre à venir pour aller marier. Vous avez commencé ça. Seigneur, mais tel groupe dans la même dans 3 mois encore. Mais ça m'a présenté des bons là. Les quoi arrivent, on va mettre des mots sur moi. C'est comme ça. Ou bien, si les hôtels devant Dieu, je crois que vous, toujours, pour Dieu qui a toujours songé, pour Dieu qui a toujours pensé à vous, pour Dieu qui a toujours fait ça à vous, sans planter, c'est. Lui a récolté. C'est ça que nous devons partager avant nous pouvons l'homme. Parce que les adorations ont commencé. Nous croyons que nous assez parlé pour comprendre tout ça qui a dit là, que vous-même, vous pouvez dégager pour faire tout ça qui est pas de vous. Pour moi janvier, moi février, moi mars. Vous connaissez que vous avez bâti, vous avez fait des grandes choses devant Dieu. Nous croyons que pour aller ça. Capable pour des fruits dans la vie pour aller capable de réussir. Nous souhaitons que Alissa capable de réussir dans la vie chaque jour pour comprendre ça que vous faites pour bon Dieu, pour Dieu bénir. Et nous plutôt, alors on a toujours dit que pourquoi Espagnol là, c'est samedi si Dieu vient commencer. C'est seulement le samedi pour utiliser seulement de 8h à 11h30, premier, deuxième et troisième samedi seulement. Pour go espagnol là, tout le monde qui peut go inscrire, tout le monde qui peut go venir. N'attendons nous samedi, tout le monde qui est inscrit déjà. Yo. Samedi 8h, n'attendons nous dans l'église là, et nous avons démarré avec un bel moment. Ou même qui peut go inscrire, dégagez-vous, parce que c'est pour tout le monde. Ou même qui l'église là, ou même sorti ailleurs. Ou même tout qui est un monde, pour capable de venir. C'est seulement 6 mois seulement. Et la durée, dans 6 mois, ça nous garantit que. De prouver l'intelligence dehors, ou peut-être être capable de converser soit en Chine, en Dominicain, ou du moins si au Cubain, il y a qu'à comprendre, ou qu'à acheter, ou qu'à vendre, ou qu'à demander quelque chose, ou qu'à faire quelque chose. Nous entendons tout le monde et nous croyons que tout le monde va venir en foule dans l'école espagnole. On est des mots pour nous closer au moment. Nous allons la prière, nous allons. On est le Seigneur pour que il fait nous comprendre tout ça que tu as dit là, pour que vie nous tout, pas gaspiller, pour que nous-mêmes nous ne pas crier après. Parce que pour ne pas faire ce qu'on fait, Dieu lui-même ne pas faire ça, ça ne fait pour nous. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait, c'est pour faire. Tout ce qu'on a fait, Dieu ne va pas faire dans la place.
c'est un prophète. Tout ça, vous avez dans vos édits, vous avez fait l'amplation encore, c'est un prophète. En ce sens, transformer la vie, régénérer la vie. Nous allons la prière, nous allons demander au Seigneur que tout ça que nous avons pour faire, nous pouvons faire. Et tout ça nous avons pour faire en plus que nous pouvons connaître, que vous avez dit nous même pour que nous allons prospérer. Parce que c'est vous qui pouvez prospérer, vous allez prospérer. Ce n'est pas pour vous aller à prospérer, la prospérer. C'est vous qui allez. Je dois passer, mais c'est où? Si vous ne pouvez pas faire pendant l'année, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas être. Nous allons demander au Seigneur pour mettre la capacité ça en haut. Pour appliquer tout ça, de appliquer tout ça, nous voyons tout quoi. Et même ça, nous voyons dire, on va demander de susciter l'amour qui pour venir, pour enseigner, et tout ça, de faire pendant l'année, pour faire, pour ne pas rater rien, et de voir où on l'a.